Ok les amis, aujourd'hui vous êtes clairement pas prêts. Nouveau prank qui va sortir sur cette chaîne YouTube complètement incroyable. Ça va être de nouveau pour Jean-Fils parce que Jean-Fils il mérite de subir. Il m'a encore fait vivre des choses horribles ici à Paris. Vous êtes pas prêts? Moi je vous le dis, si vous saviez ce qui m'a fait vivre ici, c'était horrible. Donc aujourd'hui j'ai décidé de piquer sa voiture et de rentrer en Belgique avec sa voiture. Par contre, n'ayant pas le permis, je ne sais pas conduire une voiture, mais du coup, je vais avoir besoin de ma copine Tara, juste ici présentement présente, afin de voler du coup cette petite voiture. Bon, du coup, il va falloir choper ses clés. Là, c'est plus compliqué, il faut choper ses clés. Monsieur Jean-Fils, tu sais, il fait attention à ses affaires, donc il faut trouver le moment parfait où ce qu'il laisse ses affaires au sol et qu'on va pouvoir tout simplement y piquer. Donc ça c'est quand même complicus de la compliquer ce challenge hein. Mais bon, en plus nos sacs et tout sont déjà prêts. Donc je me dis, je lance ce prank à la dernière minute. Je me dis, c'est maintenant ou jamais. Donc pendant qu'on rend les clés en bas, va falloir que je trouve le moyen de choper les clés. Après, on part directement direction Belgique, Paris. Enfin, Paris, ouais. Paris, Belgique. Et Jean-Fils ici. Oh, on laisse ici, on laisse ici. Il prend son train, il prend son truc. Limite, je lui paierai bien sûr le train et tous ces autres bazars. Parce que voilà, je vais pas laisser comme ça dans la mouise quand même. C'est mon pote, voilà, je lui paierai tout parce que voilà. Mais je vous jure qu'il le mérite. Vous savez pas ce qu'il m'a fait ici, mais je vous jure que c'est entièrement mérité. Mais du coup, sur cette vidéo, combien de likes vous allez me dire? Combien de likes sur cette vidéo? Je sais pas, 5000. 5000, c'est pas assez, 5000. Et on va faire 15 000 likes. 5000 pour moi. 5000 pour toi, 15 000 likes sur cette vidéo. Vous êtes fous, vous. 15 000 likes, moi je vous dis. Et en commentaire, tout ça, tu sais ce que tu fais. Et tu t'abonnes. On est bientôt aux 300 000 abonnés. Donc qu'est-ce que t'attends pour t'abonner? Bon. Direction le vol de voiture. Je sais que ça se fait pas, je sais que beaucoup d'entre vous vont m'insulter, tout ce qui est possible, mais il doit rentrer à pied, c'est ce qu'il mérite. Bon, direction le vol de clé. Ok Tara, donc Jean-Fils il est juste là-bas, ouais. Là on a réussi à s'éclipser, il est juste là-bas. Bien sûr il a ses clés de voiture parce que là il est venu le moment de rentrer de Paris. Paris c'est terminus, tout le monde descend. On a fait tout ce qu'il fallait, on a sorti le clip de Jean-Fils, on a fait son anniversaire. Donc là il est juste là-bas, là il faut choper ses clés maintenant. Ok, c'est toi qui les chope ou c'est moi? Tu penses quoi? Tu penses c'est quoi le mieux? C'est toi ou moi qui le chope? Au feeling. Au feeling, on y va au feeling. On essaie de choper ses clés et là on se barre juste après. On prend la voiture, on retourne en Belgique et on l'attend. On attend son retour. Normalement le train il arrivera plus ou moins en même temps que nous parce que le train est aussi rapide que du coup les voitures vu que lui il fait. Ouais, ouais. C'est un tout droit et nous on est obligé de faire des petits oscillements. Donc là on va choper les clés. C'est tout le but maintenant. Donc ben, let's go. Go chercher les clés. Hein. On y va quand nous? Maintenant là. On y va maintenant? Ouais. T'as préparé tes bagages? Tout est préparé, tout est là-bas près de la porte. Il y a juste Tara qui doit encore fumer une cigarette puis... Vas-y, va fumer. Puis on y va quoi. Mais j'y vais. Faut aller fumer une cigarette devant et puis on est parti quoi. Ouais. C'est ce que je veux dire. Mais là t'as vu toutes les sortes de thé qu'il y avait là? Toutes les sortes de thé. T'aimes pas le thé? Hein? Le thé, là, il y a des trucs, des sortes de thé. T'as pas le thé? T'en fous. T'en fous du thé? Ouais. Ok, super. Bah, j'accompagne Tara et puis on y va, ça va? Bah, je viens avec. Non, non, non. Quoi? Bah, non, on y va après. Pourquoi? Et on y va après. Comme ça, on prend un café et puis on y va. Ça va? Bah, j'arrive tout de suite, hein. Tout de suite, hein. Ouais, ouais, t'attends ici, on vient de rechercher. Ok Tara, donc c'est bon, ici, j'ai le sac, j'ai les clés, j'ai réussi à choper les clés. Ah. Donc ça c'est parfait, donc maintenant on va directement en direction de la voiture. Et lui il est où là? Lui il est toujours à l'intérieur, je lui ai dit que t'allais fumer ta cigarette et que j'allais avec toi. Et puis que je retournais près de lui pour avoir le café. Donc ici, j'ai la petite clé. Et il va rentrer, tu sais que là il va rentrer tout seul, il va péter un plomb. Et en plus donc, il a même pas réservé son billet. Il a même pas réservé son train et tout, franchement là c'est un truc. Et en fait qui dit que le train c'est tout de suite, le train est dans une heure. Je sais pas, moi c'est pas grave, de toute façon on l'attendra chez lui quand il arrive. Et avec tout ce qu'il a fait ici, il a vraiment vraiment pas le choix. Donc là c'est parti, on vous refait une scène quand on arrive dans la voiture et qu'on y est, il va péter un plomb. Il va péter un plomb, je suis un homme mort, clairement, je suis mortadelle. Imagine, il veut plus te voir. Mais si, il va bien vouloir me voir, c'est bon, c'est une petite blague, c'est tranquille. Allez, ouais, let's go. Mais allez, on y va. Hein. Ok, les amis, donc là, je vais appeler Jean-Fils, on est dans sa voiture. Donc, ici avec Tara, on est dans son Audi, hein, comme vous pouvez le voir. C'est son Audi, c'est sa voiture. On est dans le parking de l'hôtel. Donc, je vais appeler Jean-Fils et je vais lui faire comprendre qu'on va partir sans lui. Allez, c'est parti, petit Jean-Fils, et je l'appelle. Allez, allez, il faut qu'il réponde, il faut absolument qu'il réponde. Jean-Fils de nain. Réponds. Il faut que ça sonne. Purée, ouais, j'ai oublié que j'étais dans un.
dans un parking, donc je suis pas sûr que ça va sonner. Si ça sonne, ça sonne, ça sonne. Allô ? Ouais. T'es où ? Mec, t'es où ? Ça te parle, mec. Mais toi, t'es où ? T'es à l'hôtel ? Mais en fait, on est parti, on a pris tes clés et on part avec la voiture. On est en train de rentrer en Belgique là. Ouais. Mais... ça bug parce qu'on est dans le parking, ça bug les amis, ça bug, ça bug. On est en train de rentrer en Belgique. Non, 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 nous on part. On part, on s'en va. Oh, ça bug. Les gars, du coup, Tara démarre la voiture, c'est parti. On va partir direction. On part en Belgique, il va péter un plomb, on est mortadelle. Ok, du coup, les amis, on est arrivé ici à Nivelles depuis plus ou moins une petite heure. Donc, on attend toujours patiemment le retour de Jean-Fils. Donc, on peut pas sortir de la voiture parce que le gros problème, c'est que les parents de Jean-Fils ne sont pas chez Jean-Fils. Et mais ça, c'est quand même vachement problématique. Ouais, quand même. Donc on attend patiemment que Jean-Fils rentre. On est enfermé dans la voiture depuis presque une petite heure. Ça commence à faire très très long. En plus, regardez, il y a ces petits ballons d'anniversaire et tout avec nous. À mon avis, ça va être. Allô ? Allô, ouais. T'es mort, gros. Pourquoi je suis mort, gros ? Gros, allez, tu. Pourquoi tu m'appelles ? Mais gros, c'est pour savoir plus ou moins quand tu rentres. Parce qu'en fait, j'ai un problème. Je suis chez toi, mais tes parents sont pas là, donc je suis enfermé dehors et j'en ai marre de rester dans la voiture. Bah, t'es chez moi, bah, rentre chez toi alors. Bah, non. Je dois quand même garder ta voiture. Pourquoi tu m'appelles ? Là, tu trouves la rine là. Hé, hey, Nobo ! Quoi ? Y'a Jean-Fils qui est là. Comment ça, Jean-Fils qui est là ? Putain. Avec ses bagages et tout. Là, avec sa bagage sur le dos. Oh, putain, je suis mort. Je suis un homme mort. Comment ça? T'es sérieux, gros? Comment ça, je suis sérieux? Gros, ça fait combien de temps que t'es en route? Pourquoi tu rigoles? Parce que je trouve ça trop marrant. Gros, assieds-toi, viens, vraiment assieds-toi. Ça a été ton chemin? Ça a été le chemin? Pourquoi tu rigoles? Comment ça, pourquoi je rigole? Pourquoi tu rigoles? Pourquoi je rigole? Regarde mes yeux. Mais quoi, t'es fatigué, c'est tout. C'est des yeux de la haine. Gros, mais comment ça, t'es les yeux? T'es sérieux ou quoi? T'es sérieux? Mais gros, m'agresse pas. Vous avez rien fait à ma voiture, j'espère. Gros, non. Ah bah regarde pas comme ça, arrête. T'es bête ou quoi? Arrête. Et c'est bon, c'est pour rire. Comment t'as envie de mourir? Mais c'est pour rire, gros, t'es bête ou quoi? Arrête. Arrête, c'est bon, c'est pas grave, t'as juste... Mets-toi des flèches. Non. Voilà. En plus, c'est du film. Tara, t'es sérieuse? Il m'a demandé. C'est bon, on fait des pranks, c'est tout, c'est comme ça, c'est YouTube. Ah, c'est un prank, ça. Bah oui, c'est un prank. Mais c'est tout seul à Paris? Eh gros, c'est bon, ça fait 8 heures. Arrête, mais t'es bête ou quoi? Arrête. Reste là, c'est bon. Ton râteau, tu vas pas mettre un coup de râteau? Tu vas pas. Mais voilà, t'as cassé le râteau, mais bravo. Eh oh! Non, mais attends, ça se fait pas. Gros, mais c'est bon, je m'excuse. Regarde, j'ai cassé le râteau à cause de toi. Je m'excuse. T'excuse? On fait jamais des vidéos de mauvaise humeur normalement. Et il est fou quoi, t'es vraiment fou. Vraiment fou, mais voilà. Mais tu sais quoi, moi je coupe la vidéo ici. C'est quoi la mortadelle? La mortadelle, c'est un mélange de nain cosmique et de piranha séché. Non. La mortadelle, c'est mon râteau dans ton pet. Ouais, bah ça va, bah c'est bon, bah ton râteau de toute façon il est cassé. De toute façon, c'est toujours faire des vidéos dans la mauvaise humeur avec toi. Toujours. Ouais, bah, c'est bon, vas-y. Là, c'est bon, ouais, allez, bonne continuation, allez, pars-toi, allez. Oh. Bon, allez, franchement, je te jure, Jean-Fils, je veux juste qu'on s'en. Je te jure, je te rembourse ce billet de train, tout ce que tu veux. C'est bon, ça fait une blague? Je te rembourse ce billet de train. Et parce que tu m'as fait perdre du temps, je veux des V-Bucks. Bah des V-Bucks et tu... Bah écoute, Tara. Oui. Va chercher les V-Bucks. Tu vas faire un concours sur ton Instagram. Je fais un concours sur Instagram? Ouais. Ok, mais pas de soucis. Concours sur Instagram directement. Donc tu vas me suivre sur quoi? Sur Instagram. Mais c'est quoi ton Instagram, mec? Mon Instagram, c'est Hugo Hospitals. Et il est dans la description de la vidéo. La première ligne de description. Voilà. Bon, c'est bon. Je t'ai excusé. C'est vrai qu'on se fait toujours des coups bas, mais voilà. On reste pote quoi qu'il arrive, c'est vraiment cool. Moi je suis mort. Tu crois que je te vois pas dans le fond de la caméra? Bon allez, mort, les amis, mort. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vais manger. Je vous love. Place, bisous, à la prochaine. Je vais m'en venger.